nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. He's already lost the war. You see. Bonjour tout le monde et bienvenue sur EDC TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Daesh, cette nébuleuse guerrière et pseudo-djihadiste née entre 2012 et 2014, à une époque caractérisée par un délitement de l'autorité et de la souveraineté dans bon nombre de pays arabes, une période qualifiée de printemps arabes, mais qui aujourd'hui est de plus en plus qualifiée d'hiver arabe. Mais on ne va pas parler du monde arabe, on va se déplacer plus à l'est, à l'extrême-orient, en Chine, mais également en Asie centrale, pour nous poser les questions suivantes. Comment Daesh a réussi à s'implanter dans la région en radicalisant des populations halogènes du point de vue de l'islam, c'est-à-dire non arabe, porteuse d'un islam davantage culturel, du moins ces dernières décennies, qu'un islam réellement pratiqué avec rigueur, et qui instrumentalise cette nébuleuse pour contrer les intérêts de la Chine et de la Russie. Alors, il n'y a pas que Daesh, il y a d'autres mouvements qui gravitent autour. J'ai qualifié cela de nébuleuse parce que n'importe qui peut se revendiquer de Daesh, mais on va plonger au cœur du monde chinois et au cœur de l'Eurasie, ce cœur que Brzezinski avait qualifié de ventre mou de l'Eurasie suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Michelon. Laurent Michelon, bonjour. Bonjour Rachid, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors je rappelle à nos spectateurs et auditeurs que vous êtes géopolitologue, spécialisé dans les questions stratégiques Chine-Occident, et vous dirigez une chaîne YouTube dans laquelle vous publiez régulièrement des analyses sur le monde chinois dans son rapport à l'Occident, entre rivalité, coopération, etc. Et le nom de la chaîne est Valise Diplo, deux points, analyse et prospective sur la Chine. Alors dans le descriptif, j'invite tous les spectateurs à trouver le lien de la chaîne YouTube, le lien de Telegram et de tous les réseaux de Laurent Michelon que j'ai découvert avec un immense plaisir et je dévore depuis toutes ces vidéos. Merci encore une fois. Merci. Alors, commençons par la Chine. Alors, le monde musulman au cœur de la Chine est plutôt turcophone, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et donc porteur d'un islam qui appartient à l'école hanafite, qui est connu dans le monde arabe pour être l'un des courants les plus tolérants, en tout cas les plus ouverts intellectuellement à l'interprétation, etc. Mm-hmm. Comment se fait-il qu'une idéologie exogène, wahhabite en l'occurrence, a réussi à radicaliser des populations dont le substrat anthropologique ne s'y prêtait pas? Alors effectivement, pour répondre à cette question qui est vraiment très très large, il faut remonter un petit peu dans le temps. Vous avez mentionné très justement Brzezinski, parce que je dirais que c'est un petit peu là que commence, on va dire, l'entrisme de ce que j'appelle dans mon ouvrage « Comprendre la relation Chine-Occident », ce que j'appelle l'hégémon anglo-américain. Et cet entrisme a commencé de l'aveu de Brzezinski lui-même en 1978, puisque 6 mois avant l'entrée de l'URSS en Afghanistan, Brzezinski a avoué que la CIA était déjà sur place en train d'entraîner des moudjahidines au maniement des armes, à l'art de la guérilla. Et le jour où l'URSS est rentré en Afghanistan, Brzezinski aurait dit à Carter, qui était donc président à l'époque des États-Unis, il lui aurait dit « ça y est, on a donné aux soviétiques leur Vietnam ». Alors ça, c'est le début, on va dire, de la présence physique en Asie centrale. Il faut savoir que les États-Unis étaient déjà un petit peu dans la région, si on va un petit peu plus au sud, dès les années 40 et 50, puisqu'il est avéré que la CIA était également, dès les années 50, en train d'entraîner les indépendantistes tibétains, hein, puisqu'il s'agissait oui. de d'empêcher que la Chine communiste remette en fait un peu la main sur le Tibet, qui avait été, on va dire, un petit peu déchiré de la Chine par les luttes fratricides en Chine entre le Kuomintang et
et le Parti communiste, qui, le Kuomintang, essaie d'instrumentaliser les Tibétains en leur disant « si on gagne la guerre civile, on vous donnera votre indépendance ». Ce qui n'avait jamais été le cas de toute l'histoire de la Chine, et forcément la Chine communiste, qui n'avait absolument pas l'intention de déchiqueter la Chine comme ça et de faire des promesses ni aux Mongols ni aux Tibétains pour gagner la guerre contre le Parti communiste. Donc 1950, le Tibet, ensuite 1978, on est en Afghanistan, mais justement on est en train de regarder vers le Xinjiang, puisque le Xinjiang, qui est une province, on va dire qui était un protectorat en fait chinois depuis presque des millénaires, protectorat chinois en Asie centrale, il y avait une possibilité là, de par justement des groupes ethniques différents et des religions différentes, d'instrumentaliser ça dans ce ventre mou, puisque si on arrive à déstabiliser complètement l'Afghanistan et les pays environnants que sont tous les stands de la région, effectivement on est dans le ventre mou des deux grandes puissances qui posent un problème à l'hégémon anglo-américain, c'est la Chine et la Russie. Alors, ensuite, Juste pour que les auditeurs comprennent, quand on parle du Xinjiang, on ne parle pas d'une petite province perdue au fond de la Chine. On parle d'une énorme province d'1,6 million de kilomètres carrés qui représente à peu près un sixième du territoire. Ce n'est pas rien. Voilà, c'est 3-4 fois la France. C'est beaucoup de zones désertiques et montagneuses, mais c'est très riche également en hydrocarbures, c'est très riche en produits agricoles, et puis c'est 40 à 50 millions de personnes qui vivent là, des ethnies très différentes, des ethnies musulmanes, des ethnies non musulmanes. Il faut bien savoir que quand on parle des Ouïghours, c'est pas tous les Ouïghours qui sont musulmans non plus, et pas tous les gens qui habitent au Xinjiang sont des Ouïghours non plus. Donc c'est très divers, c'est comme la Chine en général, c'est vraiment une mosaïque d'ethnies, de groupes ethniques différents et de groupes religieux différents. Et donc le Xinjiang, on va dire à partir de la... Donc on se rappelle que l'URSS sort de l'Afghanistan en 1988 et 89. Et à partir de là, il y a un petit hiatus de 2 ans pendant lequel il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, comme toujours, l'hégémon anglo-américain est à la manœuvre dans la réutilisation en fait, de tous ces combattants, les Moudjahidines, mais qui s'étaient essaimés un petit peu partout dans la région. En fait, instrumentaliser ces groupes-là pour commencer à les déployer contre la Chine. Alors, comment ça se passe ? Ça part à partir de l'Ouzbékistan, l'Afghanistan vers l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, il y a une vallée qui est très connue, enfin très célèbre, qui s'appelle la vallée de Fergana, et qui est une vallée, alors là aussi, c'est en Ouzbékistan, mais ça s'étend sur 3 pays, sur le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Il y a des groupes qui sont évidemment tous musulmans, mais qui s'entendent pas les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas que la question religieuse, il y a aussi la question ethnique et la question territoriale. Donc c'est très facile à instrumentaliser les uns contre les autres. Et à partir de 91-92, il y a une première vague d'attentats. Et là, ce qu'on nous explique, en fait, si on regarde un petit peu la littérature anglo-saxonne sur le sujet, c'est que l'islamisme dans la région n'est pas dû à une influence occidentale, mais serait dû en fait à une réaction des populations locales à des régimes autocratiques, autoritaires dans la région. On nous explique que le point de départ, c'est la lutte contre la terreur, mais sans nous dire que la lutte contre la terreur, c'est un terme occidental, et puis ensuite, de toute façon, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé par l'Occident depuis le début. On nous dit donc en fait, c'est dans cette lutte contre la terreur qui a été trop sévère et trop dur avec les populations locales, donc ça a créé en fait un islamisme, les jeunes se sont tournés vers la violence et vers la religion pour contester ces régimes-là. Bon, c'est une espèce de c'est un conte pour enfants, mais ça suffit pour beaucoup de monde. Mais donc à partir de 91-92, il commence à y avoir des attentats en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, et ça commence à aller vers la Chine, parce qu'en 1988, c'est là aussi qu'est créé le mouvement pour l'indépendance du Turkestan oriental. Alors, le Turkestan oriental, c'est le Xinjiang. Et ce groupe-là est affilié, comme les frères du califat ou d'autres groupes dont j'ai oublié le nom au Tadjikistan et au Kyrgyzstan, qui sont en fait des groupes instrumentalisés. Il faut dire qu'il y en a jusqu'à une douzaine de groupes comme ça, soit wahhabites, soit salafistes. Excusez-moi, il est possible que je me trompe un petit peu sur les termes. Mais ces groupes-là donc, sont très diverses et s'attaquent aux autorités locales, ouzbek, kirghiz, tadjik. Ces régimes étant effectivement très autoritaires, ils réagissent très violemment dans une lutte antiterroriste. Et c'est à cette époque-là, en 1996, qui est créé justement dans la région
ce qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation de coopération de Shanghai, qui à l'époque s'appelait le Forum de Shanghai et qui réunissait la Chine, la Russie et trois des stands sur les cinq. Donc je crois qu'il n'y avait pas l'Ouzbékistan et pas le Turkménistan. Mais les trois autres avaient rejoint. Et cette organisation, ce Forum de Shanghai, était dès sa création, en fait, tournée vers la lutte antiterroriste et la sécurité. Également, la résolution rapide des disputes territoriales dans toutes ces régions-là, justement pour éviter que les États se fassent la guerre, mais qu'au contraire, ils collaborent pour lutter contre le terrorisme importé. Donc, dès 1996, il y a une prise de conscience dans la région qu'il y a un problème terroriste qui est alimenté de l'extérieur et qu'il va falloir le régler. Mais ça prend énormément de temps. Ça prend des années. Et 1996, je dirais, 97, c'est un peu le début du terrorisme au Xinjiang. Donc, il faut voir. Mais Laurent Michelin, si vous permettez juste comprendre un point. Alors, on a le point de départ, c'est l'Afghanistan. Qui va essaimer et contaminer un peu globalement toute la région, en allant à l'est, à l'ouest, parce que ça a dérangé tout le monde dans la région. Il y a l'Iran qui est confronté à cette problématique, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie. Mais on sait très bien qu'une idéologie ne peut s'étendre que quand le terrain culturel lui est favorable. Sinon, c'est rejeté par la population locale. Mmh. On sait dans le cas du Xinjiang avec les Ouïghours ou globalement en Asie centrale, le terrain n'est pas forcément favorable partout. Par contre, ça s'est diffusé. Et là, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on peut établir un parallèle entre cela et ce qui s'est passé, par exemple, en Tchétchénie, ou même de manière plus lointaine, au Nigeria, avec Boko Haram? C'est-à-dire qu'on commence par une lutte nationaliste, dans le cas de la Tchétchénie, et puis pour pouvoir recruter davantage de contingents, eh ben, on prend l'étendard de l'islam djihadiste afin d'avoir la possibilité d'accéder à plus de recrues à l'international. Mais finalement, la dimension islamique finit par l'emporter sur la dimension nationaliste, comme en Tchétchénie, où finalement tous les nationalistes ont été écartés, voire liquidés par Bassaïev et par toute la compagnie radicalisée. Et du côté de Boko Haram, comme l'explique Bernard Lugan, on a une révolte ethnique à la base, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais comme l'ethnie est limitée à elle-même, eh ben, pour pouvoir recruter au sein d'autres ethnies contre l'État central, eh ben, on va utiliser l'islam. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on avait un sentiment nationaliste ouïghour, indépendantiste ouïghour, qui a créé une forme de plaie favorable à une infection idéologique? Absolument, c'est exactement le même modèle dont parle Bernard Lugan, de surinfection religieuse sur une plaie déjà ethnique, une revendication indépendantiste. C'est exactement ça, sauf que je dirais que dans le temps, ça a été très très court en Chine, c'est-à-dire qu'en fait en 88, on lance le mouvement d'indépendance du Turkestan oriental, mais donc qui est une revendication, on va dire, d'indépendance territoriale, qui à l'époque n'a pas encore de vraie dimension religieuse. Et puis, voyant que ça ne prend pas, parce que, comme je disais, le Xinjiang, c'était un protectorat de la Chine, mais ça date d'il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire que si on regarde les gens qui contestent et qui vont nous dire le Xinjiang n'est pas chinois, ça n'est qu'en 1955, enfin en 49 et en 55, que la Chine a mis la main dessus, il faut bien voir que la Grande Muraille de Chine, elle a une section dans le Xinjiang qui date de la dynastie des Han. Donc là, on est en 2200 avant Jésus-Christ. Donc si les Chinois ont déjà conçu la Grande Muraille, là, c'est quand même bien qu'ils étaient, on va dire, très présents et qu'ils gouvernaient et protégeaient cette province-là. Notamment, je cite aussi souvent l'exemple de la dynastie des Ming, où la dynastie des Ming qui devait mater des rébellions justement nationalistes de minorités ethniques dans le sud de la Chine, envoyait ses troupes ouïghours taper sur les minorités ethniques dans le sud de la Chine. Donc non seulement il n'y avait pas de vraies revendications d'indépendance des Ouïghours, mais les Ouïghours, c'était un peu le marteau de la dynastie des Ming pour aller pour mettre ordre dans le royaume. Donc, il faut bien voir que cette revendication indépendantiste n'a existé qu'à partir de la fin des années 80. Elle a été là aussi montée parce que justement, on ne pouvait pas activer tout de suite la question religieuse, puisque comme vous disiez, c'était plus un islam culturel, un islam très libéral, et donc on ne pouvait pas commencer tout de suite en disant « rebellez-vous au nom de la religion », ça n'aurait pas eu de sens en Chine. Voilà. Donc effectivement, il y a eu cette agitation indépendantiste qui a duré très peu de temps, et tout de suite derrière, on a mis l'islam, soi-disant, nous disant « il y a un islam radical ». Et en fait, ça ne s'est passé qu'avec les Ouïghours au Xinjiang, parce qu'il faut bien voir qu'au Xinjiang et en Chine en général, il n'y a pas que les Ouïghours qui sont musulmans. Il y a d'autres groupes ethniques qui sont en importance numérique aussi importants que les Ouïghours, voire plus, les Hui notamment,
qui eux n'ont absolument aucun problème de radicalisation parce qu'il n'y a pas cette contiguïté géographique avec l'Afghanistan, et l'Afghanistan qui a ce corridor, le fameux corridor de Waran, qui est un espace au milieu de toutes ces chaînes montagneuses immenses, c'est un espace quasiment plat où on peut passer très facilement, et c'est là où sont passés tous les djihadistes, et qui sont arrivés en milieu rural, très espacé, comme vous disiez, de par l'immensité du Xinjiang, les Ouïghours étaient très espacés. Donc ce n'était pas difficile d'arriver dans un petit village de gens très pauvres, uniquement en milieu agraire, et puis de commencer à leur raconter qu'il fallait se rebeller contre le pouvoir central, que leur pauvreté venait du fait qu'ils étaient maltraités. C'était un terreau qui était assez facile à manipuler. D'accord. Et parlant de pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas également un peu d'argent là-dedans? Je pense notamment aux pays du Golfe, qui ont souvent joué le rôle de banquier du pseudo-djihadisme sponsorisé Alors, par Washington. Je pense que dans le cas de la Chine, j'en ai pas entendu parler. D'accord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que très rapidement, ce mouvement d'indépendance du Turkestan oriental a été soutenu et probablement financé, puisque tous ces leaders se sont réfugiés après que la Chine ait commencé à sévir. Tous ces leaders sont partis en Allemagne et aux États-Unis, et on sait que derrière, c'est les ONG sorosiennes, c'est Freedom House, la Freedom House de Washington, toujours les mêmes, les suspects habituels, qui financent ces gens-là à l'étranger. Et à chaque fois qu'on voit dans les médias occidentaux tout ce battage médiatique sur le génocide, la stérilisation forcée, des choses comme ça, c'est systématiquement le fait de 5 ou 6 personnes, les mêmes, qui sont des dissidents qui sont globalement partis de Chine au même moment que la place Tiananmen, révolution de couleur qui a échoué, mais ça c'est un autre sujet. Ils sont partis au même moment et ils ont été récupérés, on leur a donné une chaire d'enseignement dans une université, un petit peu d'argent, des financements, et puis voilà, et là ils vous disent ce que vous voulez sur le Xinjiang, mais sans jamais apporter aucune preuve ni quoi que ce soit. Mais le financement, on va dire, c'est toujours les mêmes, National Endowment for Democracy, Freedom House, Soros et compagnie. Open Society, etc. Oui. D'accord, donc le financement n'est pas directement impliqué, en tout cas n'implique pas directement les pays du Golfe, mais davantage le monde occidental et toutes les officines mondialistes qui gravitent autour des fondations, soit créées par la CIA, soit créées par George Soros. Absolument. D'accord, alors comment réagit l'État chinois? Alors, il réagit de manière sécuritaire, mais a-t-il perçu un peu la dimension culturelle? C'est-à-dire, parce qu'au fait, on ne peut s'opposer à une idéologie que par une autre idéologie, si on veut réellement convaincre. Sinon, on se limite à la dimension sécuritaire. Quelle a été la réaction de la Chine? En fait, en même temps, il y a eu l'aspect sécuritaire et l'aspect économique qui a été développé. Alors là aussi, il faut revenir un petit peu en arrière pour voir un petit peu ce qu'a subi la Chine en fait, pendant toutes ces années. Puisque comme je disais, à partir des années 90, le terrorisme ouïghour, parce qu'il faut l'appeler comme ça, le terrorisme ouïghour, a commencé dans les années environ 97-98. Alors c'était très artisanal dans le sens où c'était des attaques au couteau dans les gares, dans les stations de bus, c'était des bombes artisanales faites avec de l'engrais agricole, hein, puisque je disais que c'était pas principalement une population, une province agricole. Et puis petit à petit, ça a commencé à s'étendre à toute la Chine, donc on a eu des attaques on a eu des attaques à Pékin, à Shanghai, à Canton, à Kunming, et puis c'était de plus en plus sophistiqué dans les techniques, hein, puisqu'on a vu de l'armement, plus de la voiture bélier, donc avec une vraie logistique sur place, parce qu'il faut pour pouvoir faire un attentat à Pékin sur la place Tiananmen, il faut quand même avoir des relais locaux. Et donc on a vu une vraie sophistication, et ça a monté, et justement comme la Chine était un petit peu prise au dépourvu, au départ c'était... C'est un peu comme ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est-à-dire que la Chine n'a rien fait pendant très nombreuses années, ce qui n'a fait que la plaie n'a fait que se surinfecter. Et en fait, c'est à partir de 2014 où il y a eu l'assassinat au Xinjiang d'un imam, on va dire modéré, qui lui était pour un dialogue entre les communautés, qui était pour un vivre ensemble, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais qui était pour un vivre ensemble avec la population Han. Et c'est là que la population ouïghour sur place s'est rendue compte elle-même qu'elle avait un problème. Parce qu'il faut pas dire que les Ouïghours sont tous des terroristes. C'était vraiment un petit groupe radicalisé, manipulé depuis l'extérieur, mais qui prenait en otage en fait toute une population ouïghour qui demandait qu'à faire du... Enfin, qui on voulait voir, ils étaient partout en Chine, hein, les Ouïghours, on les voyait dans toutes les grandes villes, qui faisaient des petits commerces, qui avaient des restaurants, des choses comme ça, et ces gens-là ne voulaient pas être stigmatisés. Et c'est à partir de l'assassinat, en fait, de cet imam, c'était un imam qui était assassiné, et en fait, la,
la population ouïghour, et y compris les autorités ouïghours, parce qu'il faut bien voir que la province du Xinjiang était, à part le chef du parti de la province, tous les autres, les échelons les plus hauts, c'était des Ouïghours. Bon, c'est pas une occupation coloniale par les Chinois, c'était des Ouïghours qui s'occupaient du Xinjiang. Bon, ces gens-là ont donné carte blanche à Pékin pour régler le problème. Et à partir de là, donc dimension sécuritaire, donc ça a été pas de pitié pour les terroristes. Donc ces gens-là ont été arrêtés, ces gens-là ont été incarcérés. Il faut savoir qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis en Syrie. Dès 2011-2012, il y avait des petits villages du Xinjiang, des familles entières qui étaient parties à Idlib et qui promettaient de revenir sur les réseaux sociaux. On a vu des vidéos tournées de gens qui disaient on finit le boulot ici et puis après on rentre en Chine s'occuper des Chinois. Bon, évidemment, les Chinois ont fait en sorte que ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de choses aussi. Il faut voir le jeu assez trouble de la Turquie également. La Turquie qui tolérait à sa frontière avec le nord de la Syrie 200 000 Turkmènes qui s'entraînaient militairement dans la région. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ne sont pas rentrés dans les combats en Syrie, mais on imagine qu'ils pouvaient être actionnés contre la Chine ou contre la Russie si besoin était, puisqu'on voit toujours que la Turquie a toujours un jeu assez trouble. Et puis, rappelons que le terme turkmène peut englober différentes nationalités, c'est-à-dire autant des Ouïghours que des Turkmènes littéralement, etc. Donc c'est une forme de groupuscule ethnique. Tout à fait. Alors, la Turquie, c'est intéressant, ça nous donne l'occasion d'en parler. Alors, on sait qu'en Turquie, il y a globalement trois grands courants idéologiques de restauration de la grandeur de la Turquie. Il y a d'un côté le courant néo-ottoman, qui se projette davantage en Méditerranée orientale, ce qui explique l'interventionnisme turc en Libye et en Syrie. Il y a le côté pan-turquiste. Et là, c'est intéressant de voir, parce que les pan-turquistes, comme tous les pans, pan-slavisme, pan-germanisme, etc., entendent réunir dans une même entité politique toutes les populations ethniquement similaires, et donc ça englobe également les Ouïghours. Donc là, on a les loups gris, etc. Et puis, on a le courant laïque qui fait partie de l'OTAN, libéral, qui regarde du côté de l'Occident. Alors, le côté pan-turquiste, a-t-il activé des leviers ou est-il intervenu dans la radicalisation des populations ouïghours, au moins par le discours? Alors, je dirais que, en l'absence de preuves formelles, on ne peut pas dire ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sympathie quand même avec le mouvement d'indépendance du Turkestan oriental, parce que quand la Chine justement a commencé à sévir dans les années, on va dire 2014-2015, il y en a beaucoup qui ont dû partir de Chine, notamment des leaders. Mmh. Et donc ces gens-là, où est-ce qu'ils se sont réfugiés? Ils sont passés d'abord par la Turquie, mais ensuite ils se sont réfugiés en Allemagne, parce que c'était cette immense communauté turque et turcophone dans laquelle ils pouvaient se fondre, sans que ce soit vu non plus comme les États-Unis qui hébergent des terroristes. Donc au lieu de les mettre aux États-Unis, alors, il y en a quelques-uns qui sont partis aux États-Unis, mais c'était pas, on va dire, c'était pas des leaders indépendantistes ou carrément des terroristes, mais c'était, on va dire, des leaders de la communauté d'affaires, mais qui étaient sympathisants avec le mouvement, qui ont dû partir aussi. Et donc eux sont partis aux États-Unis, mais pour les gens qui étaient vraiment, on va dire, la branche armée de ce mouvement-là, eux sont partis en Turquie d'abord, et puis ensuite sont partis en Allemagne, où ils se sont fondus dans la population turcophone. Voilà, donc ça c'était su évidemment des autorités turques. Il y a eu aussi cette affaire du consulat turc, non, de l'ambassade turque à Bangkok, qui donnait des faux passeports turcs à une centaine de combattants ouïghours qui s'étaient échappés de Chine pour leur permettre de partir vers la Turquie, parce que ces gens-là étaient chinois, mais comme ils étaient recherchés, ils ne pouvaient pas, ils étaient chargés, donc on leur donnait des faux passeports turcs pour s'échapper. Donc il y a une espèce quand même de complicité. Mais je dirais pas sur le terrain. J'ai pas entendu parler. Donc ils les soutiennent, mais sans se mouiller forcément. Voilà. D'accord. Donc on revient à la réaction chinoise. Donc elle a été sécuritaire. Maintenant le volet économique. Le volet économique. Il a été également économique. Exactement. Alors c'est à partir de ce moment-là également que la Chine a dépensé des sommes colossales dans les infrastructures du Xinjiang. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la pauvreté était évidemment un terreau à toutes sortes de tentatives de manipulation, qu'elles soient religieuses ou ethniques. Et donc, il y a eu des constructions de routes, de réseaux ferroviaires, de villes. Il y a eu des problèmes de reconstruction aussi des mosquées, parce qu'on nous parle uniquement des destructions de mosquées sans nous dire qu'elles ont été reconstruites dans des meilleures conditions.
Alors, pour un petit aparté sur les mosquées, effectivement, il y a des caméras qui ont été installées pour surveiller les prêches. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui choque beaucoup de gens en Occident, mais qui, apparemment, je l'ai appris récemment, c'est exactement la même chose en Russie. Hein, et, De toute façon, il y a des caméras partout en Chine, je veux dire, c'est pas forcément contre déjà, les autres. Mais, voilà. voilà. C'est vrai que dans les lieux de culte, c'était un petit peu, c'était une première, on va D'accord. dire. Il n'y en a pas dans En les même églises. temps, quand on n'a rien à cacher, on ne doit pas s'inquiéter. Je veux dire. Qu'il y ait une Voilà, caméra, c'est ça. Voilà, bah, c'est non, un je lieu pense de culte. que le fait qu'il y avait beaucoup d'imams qui pouvaient voyager, qui venaient de l'extérieur, et on voulait voir ce qu'ils disaient, parce D'accord. qu'on savait que c'était le problème qu'il y avait en Occident, donc on ne voulait pas qu'il y ait la même chose Ouais. en Chine. Voilà. Mais donc ça, c'était accepté aussi par la population locale. Il faut voir que même aujourd'hui, au Xinjiang, les mosquées sont pleines. Les prières, ben, c'est tellement plein que ça déborde dans la rue, et c'est vu au-dessus de tous. Et la population locale ne se plaint absolument pas de la surveillance. Au contraire, c'est un retour au calme et un retour à la prospérité. Maintenant, c'est une des régions avec le plus fort taux de croissance par an depuis 5 ou 6 ans, depuis la fin en fait de la campagne de déradicalisation qui a pris fin en 2019. Et depuis, c'est 7, 8, 10% de croissance par an. Alors, c'est vrai qu'ils partaient de loin, mais il n'y a pas toutes les provinces chinoises qui jouissent de ce développement économique. C'est aussi un des lieux de passage des nouvelles routes de la soie. La province du Xinjiang en elle-même, elle a des frontières avec 8 pays différents, et c'est plus de 35 milliards de dollars US de commerce par an. Donc c'est colossal. Hein. Là, on ne parle même pas du commerce intra-chinois, c'est uniquement avec le reste avec les pays environnants. Donc c'est un très fort contributeur au commerce extérieur chinois. Donc la province du Xinjiang est vraiment, c'est un nouvel Eldorado maintenant. Il y a 200 millions de touristes chinois qui y vont chaque année. Et c'est une province où ben, c'est un peu les villes côtières chinoises étant maintenant complètement développées et saturées, ben, beaucoup de gens vont vers le Xinjiang et les provinces environnantes pour se développer et contribuer au développement local. Non, c'est vrai que l'un des objectifs majeurs de la nouvelle route de la soie, ce fut de développer les provinces intérieures chinoises, parce que le trajet, le parcours de la route de la soie passe, par ces provinces intérieures. Et donc, par un effet d'entraînement économique, le but est de créer une convergence économique entre les provinces littorales et les provinces intérieures. Et donc, peut-on dire que, la radicalisation de ces populations-là avait pour objectif de freiner le déploiement de la nouvelle route de la soie? Parce qu'on voit également en Birmanie la même chose par rapport au versant maritime de la route de la soie avec les Rohingyas. Et on trouve la même propagande et les mêmes officines derrière, et les mêmes ONG derrière, etc. Absolument, absolument. Vous mentionnez les Rohingyas en Birmanie, et c'est la même chose au Pakistan. C'est-à-dire que dès que la Chine, alors, dans le cas de la Birmanie et du Pakistan, c'est la Chine qui essaie de se désenclaver, donc de sortir, en fait, de pouvoir continuer à commercer avec le reste du monde, mais en ne passant pas par la mer de Chine du Sud, qui elle est entourée d'États vassaux de l'hégémon anglo-américain, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, les Philippines, Singapour. Tous ces L'Australie. pays-là, voilà, tous ces pays-là peuvent bloquer la mer de Chine du Sud. C'est 80% de l'économie chinoise qui transite par la mer de Chine du Sud. Hein. Donc, si c'est bloqué, il y a un vrai problème. Donc, la Chine essaie d'avoir accès à l'océan Indien en passant par la Birmanie et le Pakistan. Et c'est là qu'on voit du terrorisme à nouveau. Du terrorisme, ben, pas plus tard que la semaine dernière, hein, cinq ingénieurs chinois au Pakistan qui sont morts dans un attentat à la bombe. Et puis, ben, toutes les révoltes qui ont lieu en Birmanie, les unes après les autres, hein, que ce soit les Rohingyas ou que ce soit les mouvements pro-démocratiques en ce moment qui se battent contre la junte militaire, tout ça, en fait, c'est des prétextes en fait à créer, en fait, à casser le lien entre la Chine et la Birmanie, sachant que la Chine vient d'ouvrir une ligne ferroviaire directe entre Chongqing et Rangoon, et ce qui lui permet de maintenant de faire du commerce et puis d'avoir accès à l'océan Indien. Donc ça c'est l'aspect, on va dire, sud-est asiatique et sud-asiatique des nouvelles routes de la soie. Mais effectivement, pour tout ce qui est développement du fondamentalisme dans tous les stands, dans toute l'Asie centrale, c'était effectivement pour empêcher la renaissance des routes de la soie, puisqu'il y avait été interrompu, comme vous l'avez dit, par l'émergence du communisme en Chine et puis l'Union soviétique, où ça avait un petit peu disparu. Là, maintenant, il faut recommencer à commercer dans toute l'Eurasie, avec l'Europe notamment, et de construire en fait ce continent qui n'a jamais eu le temps d'être construit complètement. Et les États-Unis ont vu, dès la sortie de l'URSS, qu'il fallait prendre la place, le vide qui était
la sortie de l'URSS de l'Afghanistan, il fallait absolument prendre cette place-là. Alors, pour en finir avec l'approche sécuritaire, j'ai une question. Alors, est-ce que les Chinois ont pu arrêter des étrangers parmi les terroristes ouïghours, des gens d'autres nationalités? Non, pas de mémoire. Il n'y a pas eu de cas de terroristes étrangers arrêtés sur le sol chinois. Par contre, ce qu'il y a eu, c'était des attaques. Ça, c'était en 2016, donc c'est assez récent. Une attaque à la voiture piégée au Kyrgyzstan, à Bishkek, dans l'ambassade chinoise. Il y a eu également, en 2003, aussi au Kyrgyzstan, une attaque d'un autobus d'hommes d'affaires chinois, qui commençait à commercer avec le Kyrgyzstan en 2003. Et l'autobus a été arrosé à la mitrailleuse et incendié, donc il y a eu 20 morts. Voilà. Mais c'était toujours des Kyrgyz, alors entraînés par on sait qui, mais on n'a pas vu de combattants étrangers, je voudrais dire, qui soient extérieurs à la région, quoi. D'accord. Alors, cela dit, c'est en train de changer, excusez-moi, Rachid. Oui, j'en prie. Justement, parce que depuis la sortie des États-Unis de l'Afghanistan, donc c'était 2021 ou 2020, je ne sais plus, 2020, je crois, il y a tout d'un coup une nouvelle, on va dire, succursale de l'État islamique qui apparaît en Afghanistan, qui s'appelle ISIS Khorasan, et qui se crée de zéro en 2020 pour combattre les talibans. Alors, on voit très bien la main de qui est derrière ça. Et d'ailleurs, c'est la journaliste très connue du média online qui s'appelle The Cradle, Madame Narwani, je pense, et qui a fait une très belle émission là-dessus et qui expliquait qu'en fait, elle avait eu des témoignages de combattants de Daesh qui, en Syrie, étaient extradés, on va dire exfiltrés en hélicoptère, sur des hélicoptères américains pour être amenés directement en Afghanistan. Et c'est là qu'a commencé à être créé ISIS Khorasan. Et comme par hasard, ISIS Khorasan, regarde qui est-ce qu'ils combattent maintenant. Ils combattent l'Iran, ils combattent l'Afghanistan, ils combattent la Russie et la Chine, qui sont tous les adversaires idéologiques des États-Unis. Donc c'est pas compliqué de savoir qui est derrière. D'ailleurs, je vais développer dans un autre entretien, mais il faut comprendre que la lutte entre les talibans et Daesh, c'est une lutte interne au wahhabisme. C'est que Al-Qaïda, qui est une émanation du wahhabisme, combattant, parce qu'il y a un wahhabisme qui n'est pas combattant, bien entendu, en Arabie Saoudite, est un peu le courant modéré du terrorisme wahhabite. Alors, ça peut choquer le terme, mais tout est relatif, je veux dire. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans la doctrine d'Al-Qaïda, l'ennemi prioritaire, c'est le monde occidental. Donc, il faut combattre les États-Unis, l'Occident, et pas les communautés musulmanes et les populations musulmanes. Tandis que Daesh a un peu le côté fondamentaliste wahhabite, celui du premier wahhabisme de Mohammed bin Abdel Wahhab, qui avait pour ennemi premier les musulmans qui ne sont pas parfaitement compatibles avec sa vision réformatrice de l'unicité de Dieu. Et donc Daesh revient aux racines du wahhabisme, qui avait commis des carnages et des massacres dans la région de Najd, en Arabie Saoudite, mais également dans le sud de l'Irak, etc. Et donc on a eu lutte interne au wahhabisme que l'on a vu en Afghanistan, mais pas uniquement en Afghanistan. Même au nord de la Syrie, entre Jabhat al-Nusra, qui est un peu le versant de l'Al-Qaïda en Syrie, et donc l'ennemi est l'Occident et le régime syrien, là par contre tout le monde était d'accord, et Daesh de l'autre côté, qui était le versant radical du wahhabisme. Alors maintenant, j'aimerais revenir par rapport à la propagande anti-chinoise sur la question ouïghour. Alors malheureusement, il maîtrise de constater qu'elle a été efficace. Autant au niveau occidental, par l'émotionnel, par les images, les témoignages, qu'au niveau du monde arabe. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez aux Arabes, à n'importe quel Arabe ou Maghrébin, que penses-tu des Ouïghours, que penses-tu de la Chine ? Ils vont nous dire que la Chine les persécute, les oblige à manger du porc durant le Ramadan, leur interdit la prière, les torture, etc. Les enferme dans des camps d'internement et de concentration, et on réactive toutes les images des années 30, 40, etc. Oui. Dans l'imaginaire occidental. Alors qu'en est-il réellement ? Y a-t-il un peu de vrai dans tout ça ? Ou est-ce intégralement un tissu de mensonge ? Bon, alors je dirais déjà l'utilisation du vocabulaire dont vous parlez, on sait déjà, enfin c'est signé pour, comme vous dites, réactiver toute l'imagerie des années 30-40 et qu'on rentre dans l'émotionnel. Alors, ce qui est sûr, c'est que la campagne de déradicalisation
qui a été entamée par Pékin, comme je le disais, il y a eu un volet sécuritaire, et c'est certain qu'ils n'ont pas été tendres avec les terroristes. Ça c'est sûr. De toute façon, le maintien de l'ordre en Chine est très différent du maintien de l'ordre en Occident. Donc, ça peut choquer beaucoup d'Occidents, mais dans le monde chinois, quand on se livre à certains types d'actes, il y a une punition qui arrive derrière et tout le monde l'accepte. Donc, il y a eu un volet, on va dire, qui était sécuritaire très fort, où effectivement les gens sont dû s'enfuir en Turquie et en Allemagne. Il y en a beaucoup qui sont en prison maintenant, qui sont en prison à vie. Il y a eu des mises à mort. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans le volet économique dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un effort de sortir les Ouïghours de la pauvreté extrême, ce qui était le cas de toute façon de toute la Chine, puisque la Chine était un pays agraire, et depuis les années 70-80, c'est plus de 400-500 millions de personnes qui sont rentrées dans la classe moyenne, et plus de 900 millions qui sont sortis de la pauvreté extrême. Et ça, comment ça s'est fait en Chine et aussi au Xinjiang? C'était de faire sortir les gens des campagnes, les faire venir en ville, où on les faisait travailler dans des usines, qui travaillaient toutes pour la plupart pour des sociétés occidentales, donc ça, personne ne s'en plaint. Et donc forcément, comme c'est des gens qui sont loin de chez eux, il y a des dortoirs, il y a des réfectoires, il y a des hôpitaux, si jamais, voilà. Donc c'est des structures énormes, qui sont usines, plus dortoirs, plus réfectoires et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on nous a donné comme... Oui, allez-y. C'était des cités industrielles, comment on les appelle? Voilà, cités industrielles, mais ça, il y en a partout en Chine. Et donc, la Chine a commencé à en construire au Xinjiang, pour la même raison, c'est-à-dire qu'on faisait venir les Ouïghours de villages éloignés qui étaient radicalisés, on va dire. On leur disait, ben voilà, le vrai islam, c'est pas ça, c'est ça. Donc il y avait des imams dans ces centres-là qui les rééduquaient d'un point de vue religieux. On leur apprenait le chinois, parce que c'est des gens qui, bien qu'étant citoyens chinois, parlaient pas un mot chinois, donc c'est difficile de s'intégrer. Et c'est des gens à qui on a appris un métier autre que l'agriculture, parce qu'on leur a dit, mais l'agriculture, ça nourrit pas son homme, s'il y a trop de gens dans ce domaine-là. Donc on leur a appris des métiers dans le secondaire, parfois dans le tertiaire, et on leur a donné surtout du boulot, parce qu'une fois qu'on est instruit, si c'est pour se faire envoyer au village sans boulot, ça sert à rien. Et donc c'est à partir de ces choses-là qu'on nous a dit, dans les médias, regardez ces cités industrielles, c'est des camps de concentration. Et les seules preuves qui étaient apportées, c'était des photos satellites. Alors, moi, je ne sais pas comment on fait avec une photo satellite pour savoir ce qui se passe dans un immeuble, mais ce qui a été prouvé ensuite par des gens de bonne volonté, des Occidentaux, et également beaucoup de délégations de pays musulmans, Malaisie, Indonésie, Pakistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, ont tous envoyé des délégations religieuses pour voir s'il y avait des musulmans qui étaient vraiment maltraités dans ces endroits-là, et tous sont revenus en disant mais pas du tout, c'est des radicalisations plus école professionnelle, donc on a, enfin, il n'y a pas à se plaindre. Et systématiquement, les médias occidentaux derrière ont dit ah oui, mais ils disent rien parce qu'en fait ils veulent croquer, ils veulent faire du business avec la Chine, donc ils vont même pas dire quand les musulmans sont maltraités en Chine. Donc c'est sans fin. C'est-à-dire que même si on dit il n'y a pas de problème, en fait, il faut arriver à la conclusion qu'il y a un problème. Voilà. Donc ces cités-là industrielles, c'était un développement économique comme il a eu lieu partout en Chine. Ensuite, il y a eu ces accusations de génocide, de stérilisation. Alors là, on pourrait développer pendant 15 minutes, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est que la population ouïghour est passée de 5,5 millions à 11 millions en 40 ans. Donc, si c'est un génocide, j'imagine que les Indiens d'Amérique auraient aimé se faire génocider de la même manière. Voilà. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Ou aussi, il faut savoir que les Ouïghours, comme toutes les minorités ethniques en Chine, ont été exemptés de la politique de l'enfant unique en Chine. C'est-à-dire que les Han, eux, n'avaient droit qu'à un enfant et prenaient des amendes s'ils en avaient un deuxième. Mais toutes les minorités ethniques, et pas seulement musulmanes, avaient été exemptées de cette politique. Donc, voilà. Mais ça, personne ne le dit. Alors, c'est important de l'évoquer. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Voilà. C'est important de l'évoquer. C'est vérifiable. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, c'est toutes ces accusations, génocide, stérilisation forcée. Alors après, on voit le déplacement, le glissement, quand ils n'arrivent plus à prouver qu'il y a un génocide parce que les chiffres montrent le contraire. Ils disent, mais c'est un génocide culturel. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus pratiquer, leur langue, leur religion et tout ça. Alors là encore, il y a des délégations de sinologues allemands. Il y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, il y a des sinologues allemands très connus, donc des gens qui ont beaucoup à perdre en termes de réputation, et on sait qu'il peut se faire canceller
c'est ouais. Parce que c'est à la mode en Occident, c'est des gens qui sont allés sur leur denier propre au Xinjiang, qui ont demandé à aller dans des écoles, qui ont demandé à aller dans des prisons, et qui ont dit, mais là, les enfants, ils apprennent leur langue et le chinois, leur culture, leurs traditions ne sont pas interdites. En prison, ils font la prière quand ils veulent, il y a des espaces de prière. Donc non, désolé, il n'y a pas de génocide culturel non plus. Et ensuite, on passe à autre chose. Enfin, c'est ça qui est fabuleux avec les médias occidentaux, c'est que quand on leur prouve qu'ils ont tort, ils ne vont pas aller s'excuser ou faire donner un droit de réponse public. Mmh. Voilà, c'est, on passe à autre chose. Et hop, c'est, on est passé à Taïwan, ou on passe à Hong Kong, ou enfin voilà. Mmh. Ouais. Alors, il me semble important de parler de l'évolution du rapport de l'État chinois à la question religieuse. C'est effectivement au début de la révolution chinoise, comme toutes les révolutions, il y a une démarche de radicalité. Avec le temps, le réel finit par l'emporter. On commence à renouer avec la réalité religieuse ancestrale. Alors, mis à part l'islam, la Chine connaît une renaissance religieuse. Alors le taoïsme, le confucianisme, même si je ne sais pas si on peut parler de religion dans ce cas-là. Alors qu'en est-il sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, les gens pratiquent tranquillement. Il n'y a plus de persécution comme dans les années 60. Oui, tout à fait. Ben, les années 60 étant un épisode très court et très anormal dans l'histoire de Chine, hein, c'était la révolution culturelle. Bon, là, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui a heurté tous les Chinois, quelle que soit leur confession, leur niveau social ou quoi que ce soit. C'était, bon, on va dire, un instant de folie dans l'histoire, dans 5000 ans d'histoire. Mais effectivement, la religion en Chine, c'est quelque chose qui est très présent actuellement. Alors, c'est un État athée, hein, puisque la Chine est un pays communiste, c'est un État athée, mais qui reconnaît 5 religions, que sont le bouddhisme, le taoïsme, pour les religions, on va dire, locales, et puis le christianisme, le catholicisme et l'islam. Voilà, qui sont toutes considérées comme des religions locales, hein, même si elles viennent dans le cadre de l'islam historiquement, mais c'est ils ont tellement été adoptés par une partie de la population très importante et depuis des millénaires que ça a été considéré comme autochtone. Voilà. Donc ces cinq religions-là sont très pratiquées en termes de chiffres pour l'islam. Je pense qu'on est à 50 millions en Chine. Donc répartis sur, il y a 10 groupes ethniques différents qui sont musulmans. Donc les Ouïghours et les Hui à égalité, à environ 11 millions, 12 millions de personnes. Et puis ensuite les 8 autres groupes qui se répartissent le reste. Et puis ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a le catholicisme et le christianisme qui, combinés, font que la Chine sera certainement le premier pays chrétien au monde en 2030. Alors, les chrétiens en Chine, c'est principalement Hong Kong Là, il y en a vraiment partout en Chine. Alors, c'est vrai qu'à Hong Kong, il y a traditionnellement, je veux dire, puisqu'il n'y a jamais eu d'interruption, il y a une église très développée et très riche, hein, puisque c'est un des plus grands propriétaires immobiliers de Hong Kong, c'est l'église. C'est la même chose à Taïwan, ils sont très riches. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le christianisme venant des États-Unis qui a complètement pris le pas sur le catholicisme romain qui venait, alors que le catholicisme romain était antérieur, puisqu'il était arrivé en Asie avec les jésuites au XVIe siècle, hein, à Taïwan, aux Philippines, et puis à Hong Kong. Et puis très rapidement, c'est tout l'évangélisme. Voilà, l'évangélisme anglo-saxon, protestant, qui a pris le dessus. Mais, alors, ce qui est important de savoir pour la Chine, sur n'importe quelle religion, c'est que la Chine est un pays éminemment politique. C'est-à-dire que le politique supplante tout. Et le politique, ça veut dire le parti. Supplante tout. C'est-à-dire aussi bien la question économique que la question religieuse. On laisse se développer, on reconnaît, on donne des facilités de développement, mais à aucun moment, ça ne peut venir contester la légitimité politique, ou entrer en compétition avec, ou exiger des places. C'est pour la même raison qu'il n'y a pas eu d'épopée bourgeoise en Chine, c'est parce que, contrairement à l'Europe, la bourgeoisie n'a pas pu s'organiser pour réclamer un pouvoir politique, du fait de sa richesse économique. Toujours ça a été maîtrisé par le gouvernement, et pas juste communiste, hein, même avant c'était la même chose. Donc, la Chine ne tolère pas l'influence étrangère, de quelque religion que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, pour le cas du christianisme et du catholicisme, les évêques doivent être nommés par Pékin et pas par le Vatican. Et ce qui explique la raison pour laquelle, il n'y a pas de relation diplomatique entre le Vatican et la Chine jusqu'à aujourd'hui. Le Vatican a des relations diplomatiques avec Taïwan parce que Taïwan accepte que ses évêques soient nommés directement par
le Saint-Siège, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Alors c'est en discussion, c'est en voie de résolution, mais il ne peut pas y avoir, et c'est la même raison pour laquelle les prêches dans les mosquées au Xinjiang sont enregistrés, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des voyages, des imams qui voyagent, et ils ne veulent pas qu'il y ait d'influence étrangère, qu'elle soit wahhabite ou autre. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est la primauté du politique sur le religieux et sur l'économique. D'accord. De ce point de vue, j'ai une question par rapport à un marqueur extrêmement fort du niveau d'intégration des communautés religieuses dans un État. C'est la question de l'architecture. Est-ce que les églises et les mosquées en Chine ont adopté l'architecture locale ou ont été influencées, ou est-ce qu'on se retrouve avec des mosquées en Chine qui ressemblent à des mosquées au Caire et à Damas, plutôt arabes? Et pareil pour les églises, bien entendu. Oui, c'est très traditionnel. L'architecture est très traditionnelle. C'est-à-dire que les églises, je parle des églises historiques, les premières qui ont été construites en Chine, sont complètement d'architecture européenne. Pareil pour les mosquées. Les mosquées traditionnelles sont complètement d'architecture, on va dire, arabo-musulmane, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec l'influence. On va dire de l'Asie centrale, hein, donc c'est beaucoup plus, on va dire, iranien. Samarcande, voilà, exactement. Voilà. Très forte influence perse, Samarcande, voilà, ce genre de. Burhala, Samarcande, oui, tout à fait. Voilà. Mais il faut savoir qu'avec le temps, il y en a certaines qui ont été dégradées, qui n'ont pas été, correctement entretenues, et soit elles sont rénovées, si elles sont rénovables, soit elles sont détruites et reconstruites, plus grandes aussi, parce qu'il faut tenir compte du nombre de l'augmentation du nombre de fidèles. Voilà. Donc, après, c'est vrai que les nouvelles sont moins traditionnelles que les anciennes. Mais il n'y a pas de sinisation, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune sinisation de l'architecture, ni pour le catholicisme, ni pour l'islam. D'accord. Donc, on est dans le respect également de cette mosaïque culturelle, au niveau architectural. Alors maintenant, passons à l'autre volet de notre entretien. C'est l'autre pays victime de cette ingérence étrangère par la radicalisation religieuse des populations locales, la Russie. Alors l'attentat du 7 octobre, on ne va pas revenir par rapport aux détails, mais il s'agit de 4 Tadjiks. Alors peut-on établir un lien entre ce qui se passe en Chine, en Birmanie, en Afghanistan, au Pakistan, avec la Russie? Est-ce qu'on a une forme de foyer central? D'ailleurs, je vous ai entendu parler dans une vidéo de Vivier, de recrutement pour ces mouvements-là qui se trouvent en Asie centrale et qui peut bifurquer vers n'importe quel ennemi des États-Unis. Tout à fait. De la même façon que l'Ukraine, on l'a appris récemment, l'Ukraine est depuis, on va dire, une dizaine d'années, une base de retrait pour Daesh, pour les déçus du califat et qui se sont réfugiés, on va dire, un certain temps en Ukraine, avec en complète connaissance de cause par les autorités, pour ensuite être réinstrumentalisé. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que tout ça, c'est lié, parce que ces Tadjiks à Moscou auraient apparemment été recrutés par l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan, qui, sur son site internet, alors ils ont fait disparaître la page depuis, mais ça peut se retrouver par archive.org et tout ça, recrutait des combattants pour aller en Ukraine. Mais si on peut recruter un combattant pour aller en Ukraine, on peut le recruter pour aller en Russie également. C'est pas compliqué. Surtout que les Tadjiks ont cette facilité. Les Tadjiks, les Ouzbeks, ce sont en fait des gens qui travaillent dans la construction en Russie. Donc c'est des gens qu'on fait venir facilement à Moscou, qu'on fait venir dans les grandes villes pour travailler dans la construction. Et donc forcément, ils peuvent se glisser dans cette population-là de façon complètement inaperçue. Voilà. Donc effectivement, il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la Russie a les preuves du financement de ces gens-là par l'Ukraine. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que on nous a vendu en Occident le fait que c'était des musulmans, que c'était Daesh qui... Voilà. Mais je dirais, il faut se poser la question de la nature de Daesh. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dimension de mercenariat? Est-ce que ces gens-là faisaient vraiment partie de Daesh, ou est-ce qu'ils ont fait ces attentats sans savoir qui était derrière? Ça, j'en suis quasiment persuadé que c'est des gens qui ne savaient pas réellement par qui ils étaient manipulés. Ils ne savaient même pas que ça venait d'Ukraine. Mais est-ce que quand on prend, enfin, je veux dire, si on est dans une dimension terroriste,
on ne se balade pas avec son passeport et il n'y a rien dans le modus operandi de ces opérations à Moscou qui coche les cases, on va dire, du terrorisme islamique tel qu'on l'a vu en Occident. Il n'y a pas de ceinture d'explosifs, on ne se suicide pas quand on se rend compte qu'on va être pris. Ils ont tous été attrapés vivants. Au contraire de tous ceux qui se sont, de tous ceux qui ont fait des actes terroristes en Europe, eux sont tous bizarrement morts pour qu'on puisse pas les interroger. Voilà. Même en Russie, à l'époque où il y avait la deuxième guerre de Tchétchénie, il y avait des attentats suicides. Exactement, exactement. Mais là, il n'y avait pas cette dimension du suicide. Il y avait cette dimension rémunérée assez sordide, 50% à la livraison et enfin 50% à un compte, 50% à la livraison. Et donc on se dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec Daesh ou quoi que ce soit. C'est du mercenariat pur et simple. Peut-être maquillé, certainement maquillé d'ailleurs, derrière une dimension religieuse, pour nous faire croire après, on pourrait élaborer sur qu'est-ce que ça va donner maintenant en Occident, puisqu'on nous a menacé de la possibilité d'attentats terroristes en Occident bientôt. Donc là, on imagine très bien la possibilité de réactiver le terroriste tchétchène en France, par exemple, hein, puisqu'on nous a raconté depuis les événements de Dijon que c'était des gens qui étaient promptes. À la violence sectarienne. Et puis, bah, ça tombe bien, ils cochent toutes les cases, ils sont russes et ils sont musulmans. Donc voilà, je pense qu'on est en train de nous faire un massage cérébral pour nous faire accepter un éventuel drame qui pourrait se produire sur notre territoire à nouveau. Et puis le but, c'est de pousser la Russie à tomber dans un piège, celui de l'activation des rivalités, des tensions interconfessionnelles et interethniques, pour ranimer un peu la plaie tchétchène, mais également au Daghestan. Mais heureusement que la Russie n'est pas tombée dans ce piège-là. Et la seule question qu'elle a évoquée, c'est la question de la politique migratoire, jugée trop laxiste du point de vue de l'État russe, et qui fait que des centaines de milliers de gens originaires de pays d'Asie centrale se retrouvent en situation illégale et deviennent, à l'intérieur de la Russie, un vivier de recrutement pour ces groupuscules comme Daesh, etc., du fait de la misère et de la pauvreté. Et je tiens à rappeler aux auditeurs que la radicalisation des populations locales n'est pas, contrairement à ce que les gens croient, un trop-plein de religion, mais c'est au contraire un déficit de religion. Parce qu'on a au fait des populations qui ne sont pas arabophones, et donc qui peuvent être manipulés par des prêcheurs saoudiens ou qataris ou autres, etc., du fait qu'ils viennent avec une forme de prestige d'arabité, et donc ils viennent de la terre de l'islam, et donc ils sont plus légitimes. Et puis il s'agit de populations totalement incultes par rapport à leur propre religion, du fait de la sécularisation qui a été opérée par l'Union soviétique dans ces républiques-là, et du fait qu'ils ont été déconnectés de leur religion, qui a pris un aspect culturel davantage qu'un aspect pratique concret. Mais au fait, des gens structurés théologiquement, vous ne pourrez pas les radicaliser. Ils connaissent bien leur religion, ils ont l'antidote au poison de ces derniers-là. C'est très compliqué de radicaliser quelqu'un qui est structuré théologiquement au niveau de la jurisprudence, au niveau etc. D'où le fait que c'est au niveau des populations premièrement pauvres, deuxièmement non arabophones et troisièmement déconnectées de leur théologie que l'on peut radicaliser le plus facilement. D'ailleurs, regardez juste en Irak, en Syrie, les régions où Daesh a réussi à s'implanter, c'est les régions les plus pauvres de Syrie, avec l'indice de fécondité le plus élevé, c'est-à-dire les régions les plus arriérées de Syrie. Toutes les provinces de Syrie où l'indice de fécondité se situe entre 1,5 et 2,5 ne sont pas tombées dans le piège de ce discours-là, parce que l'indice de fécondité est un indice de développement mental, de développement culturel, de développement économique, etc. Et là, je reviens à la question de la Chine, que vous avez évoquée tout à l'heure, donc il y a la réponse sécuritaire, mais il y a la réponse économique qui est également un antidote, effectivement, à cela, au mercenariat et au fait de profiter de la misère. Alors maintenant, peut-être un dernier volet, c'est les rapports entre la Chine et le monde musulman. Alors, pas les musulmans chinois, mais les pays arabes et le monde musulman. Alors, on voit que, durant l'actuel conflit à Gaza et le génocide commis par Israël, on a vu la Chine se positionner de manière assez virulente contre Israël. Récemment, on soutient des Palestiniens, à tel point que les navires chinois peuvent traverser Bab el-Mandeb sans être inquiétés par les Houthis, ce qui est un privilège accordé à quelques-uns. Alors, comment les Chinois perçoivent ce qui se passe au Proche-Orient ? La Chine, historiquement, a toujours eu une position très pro-palestinienne sur la question, parce que la Chine, un jalon très important dont elle ne dévie jamais, c'est le droit international. Le respect du droit international, l'ONU,
vraiment la primauté de l'ONU sur tous les conflits possibles dans le monde. Et on voit, on sait très bien qu'il y a eu plus de 60 résolutions à l'ONU qui ont exigé qu'Israël cesse sa politique expansionniste, qui n'ont jamais été respectées et jamais punies. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours mis la Chine on va dire dans l'inconfort, parce qu'elle sait très bien que si un État ne respecte pas le droit international, ça devient, on va dire, une jurisprudence qui permet à d'autres de le faire et de ne pas être puni. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi pour la Chine, et ça, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand on vit en Chine depuis très longtemps, c'est qu'il y a quand même un attachement très fort aux valeurs morales et humaines. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Et là, ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est quelque chose qui, pour les Chinois, on ne peut pas faire. On peut être. Cette question, j'en ai discuté avec beaucoup de camarades chinois, aussi bien en Chine, en Hong Kong que dans la région, et qui disent, mais il n'y a rien qui est justifiable là-dedans. Ça va complètement contre les valeurs humaines, ça va complètement contre la morale, sans même parler du droit international. Et ça, c'est quelque chose qui les choque profondément. Et c'est un énorme coup pour Israël, parce qu'il faut savoir que la relation entre Israël et la Chine était très bonne jusqu'à présent. C'est-à-dire, Israël est un des États qui a permis la modernisation de l'armée chinoise à la sortie, au début des réformes économiques. C'est-à-dire qu'il y avait un appareil qui était soviétique, vieillissant. Et puis la Chine, qui s'enrichissant petit à petit, n'a pas pu le moderniser d'un coup. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a modernisé l'équipement soviétique en le rendant plus utile. Et ça, c'est Israël qui était, on va dire, à l'avant-garde de cette modernisation de l'armée chinoise. Il y a aussi le fait qu'Israël était un endroit qui était intéressant pour la Chine sur les nouvelles routes de la soie. Mais on voit que la Chine, sur cette question de principe et d'humanité, a décidé du jour au lendemain d'arrêter de commercer avec Israël. Il n'y a plus aucun bateau qui passe à Ashdod, qui passe à Haïfa, qui passe à Eilat ou quoi. Et d'ailleurs, les dockers sont en train de se faire licencier parce que c'était 80% du business, c'était les containers chinois. Et la Chine n'a pas hésité à effacer cet endroit de la carte. À boycotter. Voilà. Et je le dis de façon un petit peu humoristique parce que au début de l'intervention à Gaza. C'est plus qu'une intervention, désolé pour le vocabulaire un petit peu léger, mais au début, on va dire, de l'attaque sur Gaza, on a vu le nom d'Israël disparaître des cartes internet chinoises. Voilà. Alors, on a vu les cartes de la région, mais l'État d'Israël, le nom d'Israël avait disparu. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'était une initiative privée des sociétés de cartographie chinoises ou si c'était un moyen pour l'État chinois, parce qu'il faut quand même savoir que les grandes sociétés Internet chinoises ont quand même une certaine présence de l'État chinois au bord. Donc, est-ce que c'était un message que faisait passer le gouvernement chinois par intermédiaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment la Chine est révoltée par ce qui se passe, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment une attaque sur le droit international. Et que ça veut dire que l'ONU ne sert à rien. Donc si l'ONU ne sert à rien, c'est la loi de la jungle, et la loi de la jungle, c'est quelque chose qui n'intéresse pas la Chine. Bah, ça rappelle aux gens que, contrairement à la propagande occidentale, il y a bel et bien un humanisme chinois, beaucoup plus ancien que l'humanisme occidental, et il faut renvoyer à toute la littérature confucianiste par rapport à cela. Et que la Chine est fondamentalement une civilisation qui n'aime pas la guerre et qui n'aime pas les tueries. C'est une civilisation de l'harmonie et de l'ordre, et exactement, de la prospérité économique et intellectuelle et culturelle. Alors, dernier point par rapport au droit international. Alors, effectivement, la Chine est fondamentalement attachée au respect du droit international, à tel point que ça pourrait, et c'est là ma question, devenir handicapant pour elle, notamment vis-à-vis de ses alliés. Car ce respect que vous évoquez à juste titre fait que la Chine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée par la Russie, qu'elle ne va pas reconnaître les provinces anciennement ukrainiennes annexées par la Russie. Donc, n'est-ce pas là un handicap? Il y a des avantages, effectivement, mais y a-t-il pas également des limites à la géopolitique chinoise que de se soumettre systématiquement? Je pense que c'est une force, parce que c'est là que la Chine montre que le principe est plus fort que l'intérêt.
Effectivement, on pourrait se dire, c'est le fait que la Chine ne reconnaisse pas la République de Donetsk, ne reconnaisse pas l'indépendance de la République de Lugansk, ne reconnaisse pas la Crimée, on pourrait se dire, c'est un handicap parce que ça va la mettre en porte-à-faux avec la Russie. Mais aussi bien la Russie que la Chine savent que c'est le droit international qui va les protéger en dernière instance. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attaque sur le droit international par l'Occident. On se rend compte que l'ONU enfin, ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, c'est une partie, je dirais, enfin, une partie de l'explication de la poussée chinoise et russe pour la multipolarité. Parce que la multipolarité, c'est quelque chose qui normalement était à la base des Nations Unies. Mais si on se rend compte que les Nations Unies sont en train de perdre en fait cette protection de la multipolarité, la vraie, bah la Chine et la Russie et l'Iran et le Venezuela et le Brésil, ils vont ensemble recréer une vraie multipolarité pour le coup, et avec des institutions différentes de l'ONU, puisque on voit que aussi bien la SC, enfin l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, ce sont des institutions mais sans secrétariat, donc il n'y a pas toute cette tout ce Bureaucratie. poids. Voilà, tout ce poids, et puis ce combat aussi pour le droit de vote, pour le veto, pour des choses comme ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de très flexible, de très informel, et qui permet de vraiment donner de la chair au concept de multipolarité. Être multipolaire, c'est pas mettre tout le monde dans la même salle, mais avec des gens qui ont le droit de vote et pas d'autres. C'est pas ça la multipolarité. C'est vraiment donner le même poids à tous les acteurs. Et c'est ce que fait la Chine dans les instances internationales. Elle dit, mais le droit de vote des îles Salomon vaut autant que le droit de vote de la Chine. Donc on dira qu'en attendant la naissance d'un nouveau droit international plus égalitaire, la Chine se contente de respecter le droit international actuel. Et avec la Russie, c'est justement par ça que c'est probablement les garants de la paix très bancale qu'on a encore dans le monde, mais c'est leurs efforts qui permettent de vraiment en maintenant la primauté du droit international contre le nouveau concept anglo-américain d'ordre basé sur des règles. Là, c'est vraiment le fondement de la civilisation et de la paix, c'est la Russie et c'est la Chine pour l'instant. Mais la Russie, elle était dans cette posture, enfin, elle fut dans cette posture pendant des années d'attachement inconditionnel au droit international. Mais disons que la rupture côté russe, en tout cas intellectuellement, s'est opérée en 99 avec l'indépendance, entre guillemets, du Kosovo, où là, effectivement, on a été en violation totale du droit international, où l'OTAN, qui est une organisation défensive, s'est arrogé le droit d'envahir le territoire d'un pays étranger, qui ne l'a pas attaqué d'ailleurs, la Serbie. Et à l'époque, la Russie avait mis en garde contre ce précédent juridique. Et finalement, elle avait acté que l'unique moyen de contrer les Américains serait de boxer en ayant les mains déliées. Et que le droit international, finalement, était instrumentalisé par les États-Unis, mais pour lier les mains de ses adversaires, alors qu'elle-même pouvait faire ce qu'elle voulait avec ses mains. Alors peut-être que la Chine a d'autres leviers qu'elle peut actionner pour défendre ses intérêts que la Russie n'a pas, notamment son poids économique et d'autres aspects. Mais les deux postures sont compréhensibles. Enfin, chacun lutte avec ses moyens et chacun à partir de sa culture et de sa mentalité. Tout à fait, mais je pense que la mentalité chinoise est très différente de la russe, dans le sens où la russe, comme vous le dites, elle est pensée que peut-être il fallait se délier les mains, un petit peu comme le font les États-Unis quand ils sortent des organisations internationales quand ça ne leur convient plus. Mais la Chine est plus dans une posture de réforme des organisations internationales existantes. Et ça, on l'a vu à l'OMC notamment, où elle est rentrée. En fait, on l'a quasiment forcée à rentrer à l'OMC. Elle voulait y rentrer, on va pas se voiler la face, mais on a voulu la forcer à rentrer dans des conditions qui lui seraient défavorables. Et ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle est rentrée, et ensuite, à partir de l'intérieur, en utilisant les mécanismes de règlement des différends internes à l'OMC, elle a réussi à mettre en fait en avant tout un tas de règles qui étaient complètement injustes pour les pays en développement. Et donc, elle a gagné plusieurs procès en interne à l'OMC, ce qui a créé une jurisprudence. Et à la fin, on en est au point aujourd'hui où c'est les États-Unis qui pensent à sortir de l'OMC. Parce que la Chine n'a pas pris le contrôle, mais la Chine a vraiment rendu l'OMC juste pour tout le monde. Et ça ne convient pas aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas envie de faire la compétition. Tout à fait. Laurent Michelon, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes géopolitologue spécialisé dans les relations Chine-Occident. Donc je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages.
Merci Ils à ont vous. tous profité, moi le premier, et j'espère vous revoir très prochainement sur DCTV. Avec grand plaisir.